L'Algérien Abdelmalik Lahlou a décroché ce mercredi 16 septembre au stade olympique de Kintélé la médaille d'or des 400 mètres et des 11e Jeux africains de Brazzaville. Auteur d'un chrono de 48 secondes 69 centièmes, l'athlète de 22 ans améliore de 18 centièmes son propre record d'Algérie 48 secondes 87 centièmes réalisé le 23 août dernier lors des mondiaux de Pékin. Premier de sa course, Lahlou a devancé au podium son compatriote Miloud Rahmani, 49 secondes 27 centièmes, qui s'adjuge la médaille d'argent. Alors que le bronze est revenu au Tunisien Mohamed Gayer, 49 secondes 32 centièmes. Un nouveau record d'Algérie. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. Hein. Cette année, je suis régulier, sous les 49, 48. Cette performance, maintenant, je suis les 15e performance mondiale, ça fait plaisir, alhamdoulilah, merci. Pour les 800 mètres hommes, c'est sans surprise que le favori, le Botswanais Nigel Amos, l'emporte en un temps d'une minute 50 secondes 45 centièmes. Nigel Amos est un spécialiste des 800 mètres, il possède la meilleure performance mondiale de tous les temps sur la distance. C'est vrai que je suis un habitué des 800 mètres, mais là, je vais me reposer autant que possible, car il me reste encore le relais 4 x 400 mètres. Pour l'heure, les finales des courses se poursuivent au stade de l'Unité à Brazzaville. La finale des 10 000 mètres dames a été remportée par Alice Aprot, la Kenyane, avec un temps de 31 minutes 24 secondes 18 centièmes.